Je vous présenterai dans les images suivantes la procédure d'installation du système sur le modèle d'imprimante Brother DCP-195. Pour commencer, nous allumons l'imprimante. Ensuite, nous suivons les instructions dictées par l'imprimante comme suit. Nous ouvrons le couvercle du compartiment pour les cartouches et introduisons les cartouches du système. Nous le pressons légèrement jusqu'à ce qu'elle se bloque. Ensuite, à l'aide d'une bande de papier, nous bloquons les capteurs du couvercle. En ce moment, nous soulevons doucement le couvercle du compartiment et nous le pressions jusqu'à ce qu'il se fixe. Nous devons nous assurer que ce couvercle n'obture pas les tuyaux du système. Ensuite, nous devons installer les filtres à air pour les réservoirs externes. Pour ce faire, nous inclinons d'abord les réservoirs à 90 degrés pour équilibrer le niveau d'encre dans les deux chambres. Nous sortons les petits bouchons et introduisons les filtres à air, la partie grosse à l'intérieur. Telle fut la procédure d'installation du système sur le modèle d'imprimante Brother DCP-195.